Le tapis roulant du bebop s'abandonne aux langueurs, le vieux cheval de bataille de Dizzy Gillespie, interprété par le trio de Kenny Barron avec Charlie Haden à la contrebasse et Roy Haynes à la batterie. C'est Black and Blue Magazine, vous l'aurez reconnu. Bonsoir à tous. Bill Evans a inventé de toute pièce une façon de jouer du piano qu'exploitent encore des centaines de jazzmen, 14 ans après sa disparition prématurée, à l'âge de 51 ans, rappelons-le. Mais il a aussi et tout autant inventé une façon de jouer du trio, ce qu'il n'aurait pas pu faire, sans doute, s'il n'avait eu, en plus de tout, le talent de découvrir des partenaires à la mesure de ses ambitions, ou plutôt de ses rêves. Scott LaFaro, Eddie Gomez, Paul Motian, Larry Bunker, pour n'en citer que quelques-uns, nous ont apporté beaucoup. Mais c'est Bill qui a fait au jazz le cadeau de ces musiciens d'exception, relégués pour la plupart, avant qu'il ne les engage, dans des rôles subalternes. Le merveilleux LaFaro était de ceux qu'on nomme musicien pour musicien, ce n'est pas forcément un statut enviable quand il s'agit de faire bouillir la marmite. Larry Bunker, après avoir succédé à Chico Hamilton dans le prestigieux quartet sans piano de Jerry Mulligan et avoir été modestement éclaboussé de sa gloire, s'était vu contraint des années durant de jouer les utilités dans les studios d'Hollywood, deux mesures de marimba par-ci, un petit coup de tambourin par-là. Il est pourtant l'un des vrais poètes des ballets, instrument poétique s'il en fut, en dépit du nom très prosaïque qu'il porte comme une croix. Larry et les batteurs de Bill, de Philly Joe Jones à Joe LaBarbera, sont à l'honneur ce soir grâce à George Pagzinski, pour qui la peau d'âne s'est transformée à Black and Blue en parchemin lumineux. J'ai parlé de Joe LaBarbera, accompagnateur de Tony Bennett après la mort de Bill Evans. Il a cédé sa place l'année dernière à un autre expert des brushes que nous écoutons faire danser ses outils, tape danser devrais-je dire ses outils, sur le Top Hat What Tile Entails, rendu célèbre jadis par Fred Astaire. I just got an invitation through the mails. Presence requested this evening, it's formal, a top hat, a white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat and white tie and tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm dudeing up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I stop on the gas, for I'll be there putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails. An atmosphere that simply reeks with class.
anxious that you'd excuse my dust when I step on the gas. Or I'll be there, putting down my top hat, mussing up my white tie. Stop meeting like this. Chapeau haute forme, la cravate blanche et l'habit à queue de pie, top hat, white tie and tails, extrait d'une comédie musicale célèbre, interprétée au cinéma, notamment par Fred Astaire. Et autour de Tony Bennett, il y avait les musiciens qui l'accompagnent régulièrement depuis un certain nombre de mois, peut-être même maintenant plus d'un an. Ralph Sharon, pianiste qui est avec lui depuis plusieurs décennies, peut-être même depuis la fin des années 50, un contrebassiste que j'avoue ne pas connaître, dont le patronyme est Doug Reicheson, et puis enfin le personnage pour lequel j'ai passé cette plage, Clayton Cameron. Alors les ballets, il fut un temps, pas si ancien, il y a environ une dizaine d'années, où il était en tout cas à Paris presque impossible d'en acheter, parce que les marchands de batterie n'avaient pas cet article, hein, et on pensait presque être obligé de se les fabriquer soi-même, sinon à réemprunter les tapettes à mouches d'arrière-grand-papa. Et voilà qu'arrive, avec une cassette vidéo que nous connaissons, vous et moi, George de Clayton Cameron, et aux États-Unis c'est un succès tel que grâce à lui les ballets se vendent comme des petits pains, et toutes sortes de gens qui ne pensaient plus utiliser cet outil, eh bien peu à peu apprennent à le manipuler. Et bon, c'est peut-être une grande nouvelle, parce qu'il y avait là un secret, un des plus beaux secrets de la batterie de jazz qui était en train de se perdre. Et puis bon, grâce à lui, on va retrouver à la fois la pratique de l'instrument, peut-être aussi le plaisir. Hein. On sent bien qu'il y a chez lui un côté ludique et festif. C'est le moins qu'on puisse dire, Alain, n'est-ce pas ? Je crois que c'est d'abord, il faut bien dire que c'est une vidéo tout à fait particulière, inhabituelle. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, sur ce que nous venons d'entendre. Le chant de la danse des claquettes, c'est à l'origine de tous les batteurs. Vous savez, on l'a dit et redit. Dans beaucoup étaient tap dancers, hein, Joe Jones notamment. Joe Jones, Buddy Rich. Et en fait, ce qui me frappe lorsque j'entends ça, c'est cette espèce d'utilisation du corps. Et de l'utilisation du corps, du bas du corps, pour l'acceptation du ventre et du bas du corps. Et c'est ce que les batteurs aujourd'hui apprennent, puisque le ventre est le centre du corps, et à ce moment-là, il faut apprendre à jouer avec les mains, mais travailler avec les pieds. Et le travail des claquettes est une extraordinaire école, merveilleuse école d'utilisation du bas, donc de l'élément lointain de la pensée, donc apparente. Donc en fait, c'est toujours quelque chose de fascinant de voir toutes ces prestations, notamment évidemment Fred Astaire, tout ça, et moi je suis toujours fasciné par ça, parce que je suis bon public. Et je veux dire que je me dis toujours, les batteurs devraient... aujourd'hui, les batteurs ne peuvent pas faire ça. On les voit pas s'inscrire à un cours de claquettes. Ça paraît difficile, mais pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Et ça serait plutôt dans les cours de gymnastique. Voilà, ils lèvent la fonte aux États-Unis. Mais c'est lié à la danse, vous voyez. Et c'est quelque chose de fondamental. Et le fait qu'on soit lié, que la musique soit liée à la danse, fait que c'est quelque chose de tout à fait fondamental et vital. Et je suis toujours ravi d'entendre quelque chose de cette qualité. Le tap dance, c'est un peu une façon de s'évader du shabada, et précisément ce qu'ont su faire mieux que d'autres peut-être tous les batteurs de Bill Evans dont nous allons parler, à l'exception peut-être de Philly Joe Jones, encore que Philly Joe Jones, lorsqu'il se trouve aux côtés de Bill Evans, n'est plus tout à fait Philly Joe Jones. Tous ces batteurs-là, ce sont des gens qui ont su précisément passer à travers, au-delà de la carrure, tout en continuant à la respecter. Alors je dois vous dire, Alain, que je suis stupéfait. Alors, ça fait des années maintenant que nous faisons une émission sur les batteurs, n'est-ce pas ? Et curieusement, l'idée ne nous est jamais venue de faire une émission sur l'un de mes musiciens préférés, et de penser les batteurs de Bill Evans. Et les batteurs de Bill Evans, alors je vous propose, si vous êtes d'accord, d'écouter un morceau qui est un classique, évidemment, de Bill Evans. Nous sommes le 28 décembre 1959 à New York, et il s'agit de Blue and Green. Et c'est un thème qui a 10 mesures, et je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit, il faut que les auditeurs aient présent à l'esprit cette phrase de Bill: le romantisme traité avec discipline est la suprême beauté.
Lorsque l'on a compris ça, je crois que cette phrase, cette pensée doit nous suivre tout le long de l'émission. Ce morceau, qui est 10 mesures, est un inhabituel d'ailleurs. C'est assez curieux de voir qu'un morceau de 10 mesures soit aussi pareil d'une carrure absolue, on ne s'en aperçoit pas, est un message d'amour en fait. Il y a le lyrisme de Bill, la réponse de Scott LaFaro. Que fait Paul Mossian? Il établit une sérénité par la stabilité et surtout la lucidité dans le travail, l'installation d'un tapis. D'un tapis que mon amie Sophie Trey parlait du flous classique, et ça veut dire quelque chose d'extrêmement précis, c'est-à-dire de travailler un continuo, soit sur la cymbale cloutée, soit sur ça, et que se passe-t-il dans ce morceau? Eh bien, il y a une première exposition du thème, où on entend la Charleston, puis à la neuvième mesure du deuxième exposé, on entend un coup de cymbale cloutée, et sur le troisième temps qui annonce un changement, un tempo doublé qui arrive, la Charleston est doublée là, et que fait Paul Mossian? Il ne bouge pas. Pourquoi faire? Pour permettre au dialogue du pianiste et du contrebassiste de commencer à parler entre eux de manière à soutenir ce dialogue. Et là, c'est la très grande classe. Parce qu'il y a un certain nombre de chorus qui arrivent, et à la cinquième mesure d'un certain nombre de chorus, pendant six mesures, on entend un tapis au balai, absolument splendide, un tapis installé sur la caisse claire, absolument splendide, où on entend cette espèce d'équilibre dans le déséquilibre. Lui, il installe l'équilibre, au-dessus, c'est le déséquilibre. Et en même temps, cette espèce de mouvance là-dedans crée qu'on est très très loin à l'époque, n'oublions pas que nous sommes en 59, nous sommes très 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 loin de ce qui se passait autour des musiciens à l'époque, où on avait l'habitude d'un batteur qui marque le tempo, d'un contrebassiste qui marque la walking bass. Là, nous sommes dans un univers complètement contemporain aujourd'hui, en cette fin du XXe siècle. Le motion, en particulier le motion au ballet, et en tout cas le motion de cette époque, ouais, pas forcément celui d'aujourd'hui, ouais, était l'homme qui avait su, sur cet instrument qui ne s'y prête guère, ouais, renouveler la performance de Lester Young. Que faisait Lester Young au saxophone? Il crachait du coin de la bouche des lambeaux de brouillard. Tout à fait. Et voilà que nous avons là un homme qui invente la brume au moyen d'une batterie. Oui. C'est quand même un grand paradoxe et un petit miracle. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je vous propose d'écouter ce Blue and Green dans son intégralité. Il y a eu différentes versions, enfin, du moins deux versions à ma connaissance. La plage 10, je vous propose ce Blue and Green. Thank you.
Blue and Green, thème rendu célèbre par l'illustre Kind of Blue de Miles Davis. Miles a d'ailleurs co-signé cette composition. Il ne semble pas en fait qu'il ait mis beaucoup la main à la pâte. Thème qui était interprété ici dans sa version princeps en ce qui concerne l'œuvre du pianiste par Bill Evans, Scott Lafaro à la contrebasse bien sûr, et Paul Motian. Alors, par les émissions scientifiques de la télévision, nous avons appris l'existence du sommeil paradoxal. Et on a l'impression que ce qu'on entend chez Paul Motian, c'est le legato paradoxal. Je dois vous dire que c'est un temps hors du temps. Je crois que c'est quelque chose qui est clair. Le tandem Lafaro-Paul Motian fait que nous sommes dans une autre dimension. Et c'est cette dimension qui marquera définitivement toute la musique de Bill Evans. Il a eu là deux accompagnateurs qu'on ne peut pas appeler des accompagnateurs. Ce sont des musiciens à part entière, à part égale dans le développement musical. Et nous verrons d'ailleurs que par la suite, ces tandems ont eu une importance successive et différents tandems que nous allons regarder, si vous voulez bien, là ensemble. Oui, mais il est intéressant ce tandem-là parce que personne, enfin entre les deux personnages, ni l'un ni l'autre ne se repose sur son partenaire. Non. Et en même temps, à tout instant, chacun sait qu'il peut compter sur son absolument, partenaire. Absolument, absolument. Je me souviens d'ailleurs d'un article que vous aviez écrit, je l'ai là sous les yeux, un article que vous avez écrit dans un jazz magazine de janvier 70, où vous évoquiez la faute. Écoutez, absolument, regardez. Vous voyez, on est en face d'une création collective immédiate dont l'homogénéité, dites-vous, s'explique par le degré de liberté laissé à chacun et le degré de connaissance qu'il a de l'univers musical des deux autres. C'est-à-dire, voilà, je crois que vous avez touché, mis le doigt sur les choses. Ces musiciens ne peuvent jouer comme ça que parce qu'ils ont en eux un patrimoine musical considérable, une écoute considérable, une audition, une écoute de l'autre et un passé musical déjà formidable pour pouvoir accepter le jeu de l'autre sans l'assommer par ses propres coups de cymbale, ses propres coups de caisse claire. Ce qu'il est supposé que c'est beaucoup Bill Evans lui-même qui joue de la batterie dans ses trios. Incontestablement, on peut dire même que Miles Davis serait le meilleur batteur, on l'a dit, que Miles Davis serait le meilleur batteur de l'histoire. Bill Evans est incontestablement un très grand batteur. Et c'est intéressant parce qu'il avait des goûts particuliers en matière de batterie. Ainsi, il a toujours parlé de legato. Tout à l'heure, il a toujours dit que... Je vois où vous voulez en venir. Oui, son musicien préféré, pour ce qui était de la percussion, c'était Denzil Best. Un personnage que nous avons souvent cité à ce micro. Et qui était notamment, car il n'a pas fait quand même que ça dans sa carrière, mais notamment fameux pour accompagner le quintet de George Shearing d'un bout à l'autre d'une interprétation, sans une seule syncope, sans un coup de grosse caisse, sinon peut-être au point d'orgue. Absolument, avec un même travail chez Roll Garner d'ailleurs, où on entend quelque chose, un tapis, il le dit lui-même, c'est le regret de sa vie, c'est le batteur avec lequel il aurait voulu absolument jouer. Et en fait, la vie est tournée autrement, il a eu d'autres batteurs, des batteurs prestigieux, dont Philly Joe Jones, puisque si vous êtes d'accord, nous allons parler de Philly Joe Jones. On n'aurait pas pu l'éviter. On n'aurait pas pu. Alors là, je vous propose un morceau qui est You and the Night and the Music, nous sommes le 19 janvier 59 à New York, et Philly Joe Jones me fait drôle d'effet, je dois vous dire. Je vous fais drôle d'effet parce que j'ai une admiration sans borne pour ce batteur, que nous avons vu ici, que j'ai vu moi-même avec Daniel Humer ici à la maison, de la radio. On l'a vu, j'ai vu bien souvent jouer. Et le voir dans ce contexte, et nous sommes la même année, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de le voir dans un contexte avec toute sa batterie puissante, ça m'a toujours paru un peu étrange. C'est un batteur électrique, c'est le batteur de Miles Davis, c'est un homme qui joue Billy Boy avec Red Garland en trio, c'est un homme qui n'arrive, à mon avis, qui n'arrive pas à se fondre dans l'univers de Bill Evans, et Bill Evans lui fait un pas en avant pour aller jouer avec lui. Ils font un pas l'un vers l'autre, et ça donne une musique que nous allons écouter. Il faut dire, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu en direct, il y en a maintenant, parce qu'hélas, il nous a quittés depuis quelques années, Philly Joe Jones, que c'était quelqu'un qui réellement, lorsqu'il frappait, déplaçait l'air. Au sens propre du terme. C'est un homme qui a une personnalité écrasante, c'est un homme qui arrivait avec une détermination, et quand il jouait, je me souviens au Chat qui pêche, il jouait, il avait une puissance d'exécution extraordinaire, et évidemment, les musiciens qui sont autour de lui doivent avoir une personnalité extrêmement forte pour pouvoir se placer, parce qu'il avait une dextérité, enfin, mais il avait un son, et c'est ça, je crois, Alain, qui est peut-être intéressant pour nos auditeurs, il avait un son qui se rapproche plus d'un son plus classique
des années 40, des années 30-40, que Paul Motian, à la même période, qui bascule déjà vers les années 60-70-80, et lui, il se rapproche plus du tambour militaire, de la tradition, de la caisse, du vous voyez. Oui, il vient tout droit de Sidney Catlett. Il vient de Sidney Catlett. Et en jouant, d'ailleurs, lorsqu'on l'entend, on entend une rythmique extrêmement classique. Et là, il est avec Paul Chambers, et on entend une rythmique sans surprise. C'est-à-dire une rythmique qui respire magnifiquement traditionnellement, mais qui n'a pas la surprise, et qui est très très loin du pas considérable qui a été franchi par Scott Lafaro et Paul Motian. Chose sur laquelle on vit encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est formidable, vous voyez. Rythmique qui fut celle de Miles, hein, soulignons-le aussi. Absolument, c'est vrai. Alors la musique, c'était Bill Evans qui était accompagné par deux de ses complices au sein, nous l'avons dit, d'une des rythmiques fameuses de Miles Davis, Paul Chambers à la contrebasse et Philly Joe Jones, un Philly Jones qui donnait d'ailleurs une très très bonne leçon dans cette matière, de cette manière très particulière qui consiste à pouvoir donner une valeur égale à chaque temps. Ça a l'air tout simple, on s'est dit comme ça. Et effectivement. Je vous propose quand même, Alain, puisque Philly Joe Jones fait partie d'une école très très particulière, et je vous propose d'écouter Larry Bunker maintenant avec Chuck Israel. Nous allons franchir 6 années, nous sommes en 1965, et là c'est un thème que j'ai choisi parce que c'est un thème que nous avons en répertoire avec Levinson et Jenny Clark, qui est un thème extrêmement agréable à jouer, qui est un thème, une alternance d'un thème de 3-4 avec un pont à 4 temps, et il y a une sorte de balle au bon qui danse de l'un à l'autre entre ces alternances là, et Chuck Israel n'est évidemment pas Scott Lafaro, parce que là nous avons un autre tandem à nouveau, Chuck Israel, Larry Bunker percussionniste. Et là, Larry Bunker fait preuve d'une coordination, d'indépendance des quatre membres absolument magnifique. Un travail à la Charleston, un travail de qualité des ballets magnifique. Et là, il y a une chose tout à fait intéressante, c'est ce rapport avec les aquarellistes japonais. Moi, j'étais toujours très très fasciné par le fait du pinceau placé verticalement au-dessus du papier et que le dessin doit se faire en se déplaçant d'un jet absolument sans le relever. Voilà. Alors là, il doit y avoir un dessin absolument avec une maîtrise totale de la respiration, une maîtrise totale du mouvement, et d'aboutir et de terminer la phrase jusqu'au bout. Eh bien, cette attitude-là, c'est toute l'attitude du jazz, vous me direz, mais dans la
cas de la musique de Bill Evans, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Il y a une, disons, une façon de mener les phrases jusqu'à l'extrémité du possible. Et je crois que ce trio-là est un des trios qui est extrêmement riche parce que le morceau est relativement court. Je crois que nous aurions intérêt à l'écouter. Si vous voulez bien, il s'agit donc de How My Heart Sings. My Heart Sings, un extrait de Trio 65, un disque Verve que nous vous engageons très fortement à aller acheter, un disque en trio de Bill Evans, bien sûr, avec Chuck Israels à la contrebasse et Larry Bunker à la batterie. Vous nous ferez plaisir et vous ferez plus plaisir encore à vous-même. Alors c'est très intéressant là ce qu'il faisait ici comme ailleurs, d'ailleurs, Larry Bunker, qui n'a hélas pas tout à fait sa place, à notre sens, encore dans les histoires du jazz, parce qu'on a l'impression d'une traversée de funambule qui ne se ferait que par des trébuchements successifs et donnerait néanmoins l'impression d'une aisance parfaite. Voilà quelqu'un qui trébuche tout le temps, mais dont on sait qu'il ne tombera jamais. Il y a une maîtrise extraordinaire, une science de la syncope tout à fait rare, un renouvellement, bon, parce que finalement, beaucoup d'amateurs vous diront « Oh, les ballets, c'est pas très drôle, toujours la même chose, hein, il remue sa soupe, sa salade, etc. Ouais. » Et là, voilà quelqu'un qui, comme Tiny Khan aux baguettes en 1951 auprès de Stan Getz, eh bien, a l'air d'être absolument incapable de jouer deux fois la même formule de suite. Mais vous savez, c'est là qu'est une chose merveilleuse de notre instrument, de la batterie, c'est que bien entendu, nous ne pouvons pas travailler des formules que nous allons resservir devant les gens. C'est une chose impossible. Donc, il faut travailler une disponibilité auditive. Nous l'avons dit déjà dans ce micro, à ce micro, c'est de travailler d'une certaine manière pour resservir non pas quelque chose que nous avons travaillé, mais une disponibilité au moment du jeu. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça demande des partenaires qui sont extrêmement ouverts.
s'actue plus, absolument, comme elle le faisait encore assez récemment, oui, hein, mais elle participe du discours, tout à... de la continuité du discours. C'est-à-dire que les quatre membres, il n'y a plus un membre qui est vraiment privilégié. Les quatre membres, c'est-à-dire la main droite, la cymbale ou sur la caisse claire, la main gauche sur la caisse claire, le pied droit sur la grosse caisse c'est la Charleston au pied gauche, ces quatre membres étant en mouvement et en plus les mains distribuant des sonorités différentes, les points d'appui sont des points d'appui à chaque fois différents et il faut apprendre à entendre ces points d'appui par rapport au premier temps de la mesure, c'est toujours le même mystère de notre instrument et c'est cette audition qui est fascinante parce qu'elle est en dehors du temps puisqu'à chaque fois nous utilisons des instruments qui sont un son dit indéterminé et le fait que ce sont des sons indéterminés, on peut jouer toute sa vie avec des sons indéterminés et ils veulent dire quelque chose et ça c'est quelque chose de magnifique. Et vous me faites penser à la célèbre phrase de Miles Davis, ce type-là n'est pas un bon musicien, il n'entend pas le 1. Eh bien, effectivement, c'est quelque chose de fondamental. Entendre le 1, c'est le point de notre système de référence de tous les musiciens. Ce 1 peut être marqué par un coup extrêmement piano sur une cymbale, alors qu'il joue très fort ailleurs. Ça peut être au contraire un tout petit coup de Charleston, un petit coup de grosse caisse, un coup fort de caisse claire, mais ça peut être également un demi-soupir, c'est-à-dire un silence. Et il faut savoir le prendre, j'allais dire le saisir, ce demi-soupir, et l'entendre. Et les autres musiciens doivent apprendre à l'entendre, ce demi-soupir. Et Larry Bunker fait un travail formidable, justement, précis là-dessus. Il y a le fait de travailler, ce que je disais tout à l'heure à propos de Philly Joe Jones, de travailler le déséquilibre dans l'équilibre, ou travailler l'équilibre dans le déséquilibre. Alors, vous parliez aussi tout à l'heure d'aquarelle. Oui. Venons-en à un coloriste maintenant, un très grand coloriste. Très grand coloriste. Schellimann, nous sommes avec une autre rythmique maintenant, Monty Bedwick, nous sommes le 14 août 1962. Et Schellimann, eh bien voilà, Schellimann, c'est un homme qui me fascine énormément. Il disait, je ne développe pas les mélodies à l'aide des rythmes, je développe les rythmes en pensant la mélodie. Cette attitude est fondamentale parce qu'elle rend un batteur vivant, elle rend le batteur intéressant. Il est à l'opposé des batteurs non musiciens, c'est-à-dire qui apprennent des figures et qui essaient de les livrer devant les gens en les ayant appris par cœur chez eux. Donc là, il pense, lui, fondamentalement, Schellimann, il pense jouer doucement, en donnant un sens à ce que l'on joue, voilà ce qui m'intéresse. Voilà ce qui m'intéresse fondamentalement. Donc, avec Schellimann, on est devant un espace, une utilisation d'un espace, une utilisation du silence au ballet, bien entendu. Et le morceau que je vous propose, que j'ai choisi, une introduction qui, à elle seule, est une petite merveille. Il s'agit de « With a Song in My Heart ». Précisons une toute petite chose pour les apprentis batteurs, parce que je trouve que ça fait partie de ces portes ouvertes qu'il faut savoir enfoncer de temps à autre. Oui. Mais c'est que voilà un homme qui prétendait et réussissait à jouer de la batterie mélodique, oui, mais qui le faisait avec l'instrument le plus réduit possible, hein, c'est-à-dire une caisse claire, une grosse caisse, deux tomes, une cymbale et une cymbale Charleston. Mais vous savez, c'est justement là, il y a un malentendu terrible dans la civilisation dans laquelle nous sommes, c'est qu'on a l'impression qu'on fait de plus en plus de musique, plus on a d'instruments devant soi. Et je crois que là, il y a une erreur tout à fait fondamentale. On arrive à jouer vraiment sur des choses, des éléments très simples de la batterie. On peut arriver à faire des choses qui sont éternelles, parce que ce n'est pas l'instrument qui compte, c'est l'homme qui le joue, et c'est la frappe qu'il utilise, et c'est le cœur qu'il y met. Et quand il y a ça, quand il y a l'amour de la musique, quand il y a la qualité de la frappe, quand il y a l'attaque, quand il y a un son chaleureux, un son généreux, eh bien l'instrument est là au service de cette attitude intérieure. Et si cette attitude intérieure n'est pas là, eh bien on a beau installer des milliers de cymbales, des milliers de tomes, on a essayé de jouer le plus vite possible. Si l'intérieur n'y est pas, rien, la musique est nulle et non avenue. We'll be right back.
Georges Pregzinski a un sens formidable de la propos, ça tout le monde le savait, puisqu'il nous parlait de cette musique qui doit naître de l'intérieur, et le titre du morceau que nous venons d'entendre, que nous écoutons encore en ce moment, c'est « With a song in my heart », avec une chanson dans mon cœur, avec la musique dans le cœur. C'était Shelly Mann. On a évoqué tout à l'heure le problème de la linéarité, et dans ce domaine de la linéarité, il y a un musicien qui aura beaucoup marqué, qui continue d'être un chef de file dans ce domaine, c'est évidemment Jack DeJohnette. Et Jack DeJohnette fut l'un des partenaires de Bill Evans. On s'en souvient essentiellement grâce à un concert qui a eu lieu à Montreux. Et c'est un concert auquel je crois que vous assistiez, Georges. Effectivement, Alain, c'était en 1968. Le 15 juin, nous représentions la France au Festival de Montreux, donc la délégation française. Et nous n'avons rien eu. Il y avait des stars à l'époque qui représentaient. Il y avait Yann Garbarek, il y avait Alex Riel. Enfin, c'était magnifique. Et là, j'ai entendu donc pour la première fois Jack DeJohnette. Ça a été un choc qui a marqué toute ma vie. C'est une conception de la batterie extraordinaire, tout à fait nouvelle, une voix nouvelle. C'est un prolongement de la batterie de Paul Motion. Mais voilà la situation. Il faut que les auditeurs comprennent la situation. Il y a pour le batteur quatre auditions. Il y a l'écoute du pianiste, l'écoute du contrebassiste, l'écoute du rapport du piano et de la contrebasse, et l'écoute du son de son instrument, de la batterie elle-même, par rapport aux autres. Question. Que doit faire le batteur? Que doit-il proposer? Quelle option doit-il choisir lorsqu'il entend une musique particulière? Ou alors, il choisit d'accompagner la phrase par une phrase similaire, c'est-à-dire il l'accompagne cette phrase, il la ponctue, il l'accompagne, ou au contraire, il fait une phrase réponse, une sorte de contrepoint, et il contrecarre cette phrase. Et le tout, c'est de savoir sur quelle sonorité, sur quel rythme, sur quelle valeur, sur quelle image musicale. Et cela, ça se fait spontanément. Mais ça fait spontanément, on apprend ça pendant des années. Et alors justement, là, j'étais fasciné par Jack DeJohnette et Eddie Gomez qui était là. C'est l'autre rythmique que prosait Bill Evans. C'est qu'on a entendu quelque chose de... Les premières mesures du concert, c'est quelque chose de surréel complètement. On ne sait pas où est le tempo, on ne comprend rien. On voit des coups de cymbales, des coups de tout ça. Et il y a une atmosphère absolument extraordinaire, à tel point qu'il y a des musiciens français qui étaient avec moi qui disaient « ça swing pas ». Et justement, alors à ce moment-là, ça swing pas. Mais qu'est-ce qui doit swinger, n'est-ce pas? La notion même de swing, c'est le tempo intérieur. Et ce tempo intérieur me paraissait extraordinairement vivant. Moi, c'est ce que je... Il n'y a pas de batterie ici, je le regrette, parce que vous livrez parfois un petit exercice très instructif, c'est de montrer comment, à partir du rythme shuffle, qui se jouait déjà dans les années 20, bien, on peut obtenir ce que joue aujourd'hui Jack DeJohnette. Absolument. Simplement en distribuant autrement. Mais vous savez, j'ai la chance de jouer avec Jean-François Jimmy Clark et avec Jean-Christophe Levinson, nous avons Jenny Clark qui est un descendant direct, j'allais dire, de Scott LaFaro. Et lorsque je tâte le terrain, je vois ces deux musiciens avec lesquels je travaille, je vois à chaque fois, je suis toujours émerveillé devant ce qu'ils vont faire, et je vois qu'il y a toujours, il y a une sorte d'osmose à créer, et surtout un chemin à prendre qui est toujours différent, toujours inattendu, et c'est toujours l'aventure. N'oublions pas, Alain, que Bill Evans ne faisait jamais répéter ses trios. Et alors, que se passait-il? C'était l'aventure sur la scène, c'était l'aventure devant les gens. Il y a une authenticité extraordinaire, et pas pour montrer qu'on sait jouer, mais pour la qualité de la musique, pour la qualité de la prestation. Il n'était pas le seul, mais tout le monde, ce n'était pas tout à fait pour la même raison. Chez Garner, on ne répétait pas, mais c'était par paresse. Chez Monk, on ne répétait pas non plus, et personne n'a jamais su pourquoi. C'est exact. Thank you.
Bill Evans et Jack DeJohnette au Festival de Montreux en 1968. Mother of Earl. Earl, c'était Earl Zindar, le compositeur de ce thème, et de beaucoup d'autres petits bijoux qu'a retaillé, reciselé à sa manière inimitable Bill Evans au cours de sa trop brève carrière qui néanmoins fut féconde. Je dois dire que cette batterie chante, et la batterie ne peut chanter que grâce à la contrebasse. Moi, je me suis aperçu, lorsque je joue avec Jean-Paul Sellet ou Jean-François Jenny Clark, mon instrument sonne d'une certaine manière, et c'est vraiment la corde de la contrebasse qui fait chanter la peau de la caisse claire ou qui fait chanter le métal des cymbales. Et là, lorsque j'entends ce morceau que j'ai choisi, qui m'est particulièrement cher, c'est le fait, cette espèce de rapport entre les deux instruments qui permettent de faire la chose que je demande toujours à mes étudiants: quelle est la chose la plus importante dans la musique? Lorsque vous jouez, quelle est la chose la plus importante? Ah, problème. Alors il y en a qui me disent le rythme, d'autres qui me disent l'harmonie, d'autres qui me disent ceci, qui me disent cela, mais non. Je leur dis quoi? C'est la chose décevante d'ailleurs lorsqu'on dit le mot, la continuité. C'est-à-dire de continuer la phrase que l'on a commencée et d'accepter d'aller jusqu'au bout, lentement, en sachant la retenir, pour qu'elle aboutisse quand même, tous les trois en même temps. Et ça, c'est un grand art. Et vous savez, c'est une des choses magnifiques. Parce qu'à trois, le chiffre 3 a une valeur symbolique d'ailleurs, à 3, il y a quelque chose qui se passe, qui ne peut pas se passer à 5 ou à 4 ou à 7. À 3, il y a une certaine qualité. Il y en a un qui est de côté, mais on le ramène vers nous. Lorsqu'on est deux à écouter, lorsqu'on est seul, on écoute les deux autres et on s'en va. Parfois, on est obligé de s'en aller pour laisser la musique se faire, non pas du tout pour s'éloigner de la musique, mais au contraire, parce que la nécessité de deux instruments est suffisante pour la réalisation de la musique. Parfois, au contraire, il faut savoir accepter d'avancer, de proposer pour faire avancer la musique. Et cette espèce d'art de l'écoute qui correspond à des choses extrêmement précises, c'est-à-dire il faut avoir du son, il faut avoir de la frappe, il faut avoir de la lucidité, il ne s'agit pas du tout de délirer. On ne pense pas aux vitres, quand la pluie qui tombe sur les vitres quand Chopin est à Majorque. On n'est pas du tout là. Chopin, il compose, il n'est pas en train de rêver devant les vitres. Il rêve, mais il pense qu'il y a un si bémol à mettre sur la partition et que ce n'est pas un si bécart. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, en même temps quelque chose d'extrêmement précis et en même de manuel, et en même temps quelque chose de métaphysique, donc une vision très très large de la musique. Et il faut avoir ces deux choses lorsque l'on joue. Oui, tout ce que vous dites là, ce que vous expliquez, c'est en rapport en fait avec cet art souligné. Alors citons une fois de plus Miles Davis, tant pis aujourd'hui. Tout ce qui est en rapport avec l'art de la pulsation, et puis aussi avec cet art plus singulier et plus psychologique, avec lequel on va retrouver d'ailleurs le titre d'indice dont nous avons passé un morceau tout à l'heure. C'est un concept peu utilisé en France, mais que les anglo-saxons, il faut bien le dire, manipulent plus volontiers que nous, celui d'empathie. L'empathie en musique, c'est très important, chacun le sait. Vous expliquiez justement, il y a peu, de quelle manière les instruments étaient en quelque sorte réverbérés les uns par les autres. Mais vous savez, Alain, ça suppose une très grande humilité. Ça suppose d'abord d'accepter que l'autre existe. Ça, c'est déjà considérable. Oui, surtout pour les batteurs. Pour d'abord, parce que disons que le l'ego volume sonore... L'ego des batteurs, on le sait, écoute, c'est une chose écoutez, terrible. Nous le savons très bien. Le volume sonore minimum est fort, n'est-ce pas? Donc, la première chose, c'est d'apprendre à jouer piano, déjà. C'est d'apprendre à accepter la contrebasse, c'est d'apprendre à accepter les autres musiciens et de savoir écouter. C'est pas de jouer telle figure ou telle chose. Et moi, c'est d'apprendre à écouter l'autre. Ça suppose qu'on apprend à s'écouter soi-même. Oui, et c'est toute une école de vie à ce moment-là. De savoir que souvent l'essentiel, le plus riche de ce qu'on transmet aux autres, ce sont les vibrations du plancher. Tout à fait. Tout à fait, Alain. Je suis ravi que vous ayez dit ça. Tout à fait. On passe à Marty Morell. Thank you.
s'agit de Turner the Star. Nous sommes à Radio France le 6 février 1972. Eddie Gomez, Marty Morell. Marty Morell est un batteur complètement sous-estimé. Je dois dire que je me souviens de l'avoir vu, j'étais à ce concert en février 72. J'étais dans la salle et j'étais fasciné par son pied gauche. Il était un batteur qui a un travail à la Charleston, un travail de balancier sur la Charleston tout à fait étonnant. Et il a un art qui me fait penser un peu à ce qu'on pourrait dire de l'art équestre. C'est-à-dire que c'est un homme qui sait jouer avec mesure, justesse et à propos. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme de génie, c'est pas Jack DeJohnette, mais c'est un homme qui a été très à sa place et qui a su créer ce que Bill Evans appelait, Bill pensait de lui que c'est a listening drummer, c'est-à-dire c'est un batteur qui écoute et que pour lui c'était déjà extrêmement important. Mais Bill, je me souviens, avait dit dans une interview qu'il avait une conception des ballets beaucoup plus moderne que Denzil Best et qu'il regrettait un peu cette conception plus moderne. Il n'empêche que Marty Morell a été le batteur qui est resté le plus longtemps avec Bill. Je crois qu'il est resté, ou Alain, vous qui connaissez bien ces choses-là, il est resté plus de 4 ans, je crois, avec Bill. Il est resté 4 ans avec lui. Et donc, le résultat est que c'est un homme qui mériterait une plus grande reconnaissance, disons, de l'histoire. Oui, parce qu'il est absent des histoires. Absolument, là, il est absent des dictionnaires. Nous sommes maintenant le 15 août 1980 et nous sommes au dernier concert de Bill Evans en Allemagne. Il est maintenant avec la dernière équipe, c'est-à-dire avec Mark Johnson à la contrebasse et Joella Barbera à la batterie. Et je vous propose ce morceau qui est une boucle que nous allons boucler ensemble, Alain. C'est le tempo lent, la merveille du tempo lent, c'est-à-dire un morceau qui s'appelle Lori. Et nous avons à nouveau le tapis installé. C'était Black and Blue Magazine. Marie-Dominique Bougaud assurait la prise de son de cette émission proposée par Lucien Malson et Alain Gerbert en collaboration avec Marie-Cécile Mazzoni. Ce soir, les batteurs de Bill Evans avec Georges Pagzinski, l'ami fidèle qui n'est pas le drumologue de service, mais le musicologue des tambours au service, au nôtre, au vôtre, pour que la batterie ne soit plus jamais à vos oreilles une machine à battre. Vous êtes sur France Culture. Restez-y, la vie est belle et bonsoir à tous.